Salut, c'est Kistar, c'est Kistar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car aujourd'hui, on va parler de cet œuf de Pâques Playmobil. Et oui, un œuf de Pâques Playmobil avec du chocolat et la petite surprise à l'intérieur. Ça fait donc passer un peu Kinder Surprise, sauf que là, c'est la version XXL, bien évidemment. Et du coup, ça change des œufs que je vois chaque année hein, avec du coup, comme ceci là, le plastique et le jouet un peu spécial plus dedans. Enfin, bon, c'est pas trop mon délire ce genre d'œuf. Ils sont vendus à près de 5,99€ en plus, c'est un peu pris d'un spécial plus, sauf qu'on paye la boîte en plastique. Juste, ça rend pas très joli, alors que là, vraiment, ça donne envie, quoi. Il y a vraiment l'effet encombrant avec, du coup, la Playmobil, la marque, qui est créée un peu partout sur l'œuf. Et ça donne envie, du coup, hein, comme je disais, du coup, c'est vendu à près de 7,99€, un truc comme ça. Et ils en font plusieurs exemplaires à différents thèmes. On a quelques photos ici, là, du coup, on a les pompiers et les médecins. Moi, je suis arrivée, c'était le dernier, du coup, je suis un peu déçue, c'était le dernier. J'aurais bien voulu en avoir plein d'autres pour vous les partager. Mais du coup, c'était le dernier. Et là, du coup, je suis tombée sur un œuf un petit peu girly. Voilà, du coup, pas mal hein, quand même. Avec dans mes sortes de préférences que je voudrais avoir, la roqueuse, la dame plagiste, la dame qui projette son chien. La dame après qui boit sa boisson et son petit sac, un dernier recours, la dame avec son poulain et la petite pomme, car ça c'est vraiment un personnage qu'on peut avoir partout, qu'on voit partout, alors que la roqueuse et tout, ça change un petit peu d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais avoir principalement les autres personnages. Et on va pas tarder à savoir, car je vous propose dès maintenant de passer à l'ouverture de cet œuf de Pâques Playmobil. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous propose de commencer à ouvrir l'œuf. Hein, on a une petite ouverture derrière. Avec les petites encoches à défaire. Voilà. Comme ça, on garde. On peut garder le plastique. Moi, je vais garder. Là, du coup, comme ceci. Il va peut-être falloir se faire ciseler pour l'ouvrir. One eternity later. Ah, c'est bon. Ça va. Bon. A few moments later. Là, c'est bon. Coucher tous les côtés. Voilà. L'aluminium est trop fragile. On a donc l'œuf dans le petit trou. Avec donc l'œuf. Et là, la petite. Ces morceaux de plastique. Pour que ça tienne debout. Ça va être ça de côté, ça aussi. Et on va maintenant découvrir la surprise. On va essayer de... Voilà. Voilà. Donc là, l'œuf est blanc. Voilà, l'œuf est un petit peu blanc. Enfin, la surprise est blanche. L'œuf de la surprise est blanche. Le chocolat. Voilà. Maintenant, le plus important, ouvrir la surprise. Oh! J'ai la dame qui promène du coup son chien. Du coup, c'était mon troisième choix. Ah oui! Là, le catalogue, là, du coup, dans le sachet. C'est pas mal. Voilà du coup le petit arrière plus léger. Le petit. Ah, ils doivent être un peu les œufs hein, parce que le catalogue il date de 2019. Vous voyez la date en dessous de 2019. Pourtant, j'aurais jamais vu des œufs comme ça après. C'est vrai que pas que. Je suis pas trop dans les chocolats donc je regarde pas trop. Surtout mes parents qui font. Ah, mais là. On a vraiment
petit sac, vous voyez, avec le petit chien Titanmatian et la petite figurine du coup. Voilà la dame figurine. Voilà, très jolie. Voilà. Et voilà. Et voilà, du coup, c'est pas mal. Franchement, c'est bien, hein. La petite figurine. Bon, du coup, là, par rapport aux œufs un peu en plastique, on va avoir moins d'accessoires, mais je préfère quand même avoir un œuf comme ça avec du chocolat et vraiment la petite figurine, quoi. Je trouve que c'est mieux que d'avoir l'œuf en plastique. Enfin, j'aime pas trop les œufs en plastique. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop les œufs, c'est que les cadeaux dedans que je vois à chaque fois, ils sont pas ouf. Ils sont pas incroyables, quoi. Enfin, bon, c'est pas des trucs officieux. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que dans le catalogue, ils mettent pas les œufs. Ils mettent pas les œufs. Tu vois, quand je vous le dis, c'est la première fois que je vois des œufs comme ça. Donc, je suis pas trop connaisseur. Mais ils en faisaient plein, c'est dommage. J'en ai trop bien trouvé plein d'autres. L'année prochaine, je suis sûr, j'essaierai de me rattraper. Ah, là, franchement. Ah voilà, du coup la petite figurine, le petit œuf, pas mal, pas mal, pas mal. On a même un petit catalogue, franchement. C'est pas mal. Bah du coup, dites-moi ce que vous en pensez, vous, la figurine, et quelle figurine vous auriez aimé avoir. Hein. Moi, du coup, voilà, c'était mon troisième choix. Hein. Voilà, du coup, bah là, voilà, c'était mon troisième choix, du coup, la figurine. Après, j'aurais préféré avoir la roqueuse et la plagiste, mais vaut mieux avoir cette figurine pour moi qu'avoir eu le poulain, franchement. Voilà. Et c'est la fin du coup déjà de cette ouverture d'œuf pack Playmobil. N'hésitez surtout pas à t'abonner juste ici. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à liker juste ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!